Je suis prêt. C'est bon. C'est bon. À la fois chez les mains. Les fois chez moi le cours de soir, tout ce que toutes les personnes que j'ai lues, en particulier pour Rina Bat Miriam et Shlomo Ephraim Ben Julie, qui a Kadosh beaucoup d'avoir les fois chez moi parmi tous les malades, Bezrat Hashem. Ok, on a lu dans la paracha de la semaine dernière, paracha de Shelach Lecha, que Moshe Rabbeinu, il a envoyé 12 explorateurs afin d'espionner la terre d'Israël. Et la Torah, elle nous dit que Moshe Rabbeinu n'a pas envoyé n'importe quelle personne, il n'a pas envoyé de roi l'exploratrice, il a envoyé les 12 meilleurs des 600 000 juifs qu'il y avait dans le désert. Il a envoyé les 12 plus grands tzadzikim afin qu'il y ait un maximum de chances que les 12 ne fautent pas. Moshe Rabbeinu avait un mauvais pressentiment, donc il a envoyé les 12 meilleures personnes de Ham Israël afin qu'ils reviennent et qu'ils rapportent les faits tels qu'ils ont vu en Israël, qui ne donnent pas leur point de vue, mais qui rapportent les faits. Un journaliste, normalement de base, il doit rapporter des faits. Du moment où le journaliste, il donne son opinion, il prend position. D'accord ? Donc Moshe Rabbeinu, il a envoyé 12 explorateurs afin qu'ils partent, qu'ils espionnent, qu'ils reviennent, qu'ils rapportent les faits sur la terre d'Israël. 40 jours après avoir espionné la terre d'Israël, contre toute attente, les explorateurs y reviennent et malheureusement, ils critiquent la terre d'Israël. Et la Torah nous dit comme quoi ils vont tellement loin dans leur critique qu'ils viennent même à douter de la capacité d'Hachem de faire rentrer les Juifs en Israël. Ils ont commencé par critiquer la terre et à la fin, ils ont dit une phrase qui est une phrase de trop. Ils ont dit en hébreu « Efes ki amaretz » que Akadosh Baruch Hu, il a pu nous sortir d'Égypte. Mais Akadosh Baruch Hu ne pourra pas nous faire rentrer en Israël, vu que les habitants d'Israël sont beaucoup trop forts pour lui. Et chaque année, quand je lis l'histoire des explorateurs, je me pose la même question. La question que tout le monde peut se poser ou que tout le monde doit se poser. Comment tu expliques que 12 tzadikim qui avaient Ruach HaKodesh, c'est pas n'importe qui aujourd'hui, personne n'a Ruach HaKodesh. 12 tzadikim qui avaient Ruach HaKodesh, ils ont pu douter de la capacité d'Akadosh Baruch Hu de faire rentrer les Juifs en Israël. Alors que ce même Dieu, sur lequel aujourd'hui ils doutent, un an auparavant, il les a libérés d'Égypte. On se trouve dans la première année de la libération d'Égypte. Un an auparavant, Akadosh Baruch Hu les a libérés d'Égypte, qui était la puissance de l'époque, et ils doutent sur ce Dieu qui puisse ou pas les faire entrer en Israël. Ce même Dieu qui leur a coupé la mer en 12, c'est écrit dans la Mishnah qu'il y a eu 10 miracles en Égypte, mais il y a eu 250 miracles quand la mer elle s'est coupée. Les Juifs, ils ont énuméré 250 miracles que Akadosh Baruch Hu, il a fait. Comment Akadosh Baruch Hu, comment ils peuvent douter d'Hachem qu'il aura coupé la mer? Comment ils peuvent douter d'Hachem qu'il les protège avec les nuées? Aujourd'hui, les Juifs, ils sont dans le désert protégés par la Nanekavot, par les nuées. Ce même Dieu qui les nourrit avec la manne, la nourriture qui descend du ciel. Donc alors quoi? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il peut les libérer d'Égypte. Akadosh Baruch Hu, il peut leur couper la mer en 12. Il peut faire dans la mer 250 miracles différents. Il peut se dévoiler à eux dans le désert en leur donnant la Torah. Il peut les protéger avec des nuées. Il peut les nourrir avec la manne. Mais ce Dieu-là, il n'est pas capable de les faire rentrer en Israël. C'est absurde de penser ça, ne serait-ce qu'une seconde. Même tu prends le gars le plus pachoute, le plus bébête sur terre,
ça colle pas. L'équation, elle passe pas. Si Akadosh Baruch peut te libérer d'Égypte, qui est la puissance de l'époque, il peut facilement te faire entrer en Israël. Si Akadosh Baruch peut te nourrir dans le désert, vous êtes plus de 600 000. Il y avait 600 000 hommes, il devait y avoir 600 000 femmes, plus les enfants, des millions de personnes. Akadosh Baruch peut nourrir tout ce beau monde. Quoi, Akadosh Baruch ne peut pas te faire entrer en Israël. Akadosh Baruch te protège avec des nuées. Comment Akadosh Baruch ne peut pas te faire entrer en Israël? Comment les Meraglim, ils ont pu douter de la capacité de Akadosh Baruch de les faire entrer en Israël? Alors la vérité, avant de préparer ce cours, j'ai posé la question à mon père. Je ne sais pas c'était quel jour, la semaine dernière, fin de semaine ou début de semaine. J'ai posé cette question à mon père. Et mon père m'a donné une réponse, c'est pas le cours, mais je vous donne quand même sa réponse parce qu'elle est très belle. Mon père m'a dit, mon fils préféré, non je rigole, il n'y a pas de préféré, marocain, il n'y a pas de compliment. Il m'a, non, lui c'est l'inverse, il lui donne une tonne de compliments. Lui c'est, il est, alors, je vais expliquer, il est marocain dans la tête, tunisien dans le cœur, algérien dans la poche, mais il est très fort. Et mon père m'a dit, mon fils écoute, il m'a dit, les explorateurs, ils ont critiqué Israël, mais là, les explorateurs ils ont critiqué la capacité de Akadosh Baruch Hu de les faire entrer en Israël, de la même façon dont nous aujourd'hui, on doute de la capacité d'Akadosh Baruch Hu de faire des miracles avec nous. Et il a raccroché. Cela refait l'histoire. Parce qu'il faut réfléchir. Il m'a dit, les explorateurs, ils ont critiqué Israël. Les explorateurs, ils ont douté de la capacité d'Akadosh Baruch Hu de faire entrer les Juifs en Israël, de la même façon dont nous aujourd'hui, malgré tous les miracles qu'on voit, on doute de la capacité d'Akadosh Baruch Hu de faire des miracles avec nous. Eh bien, Bémet, il a raison. On passe notre vie à étudier. On passe notre vie à prier. On passe notre vie à faire les Hiloulot. On passe notre vie à prendre des brachot chez les rabbins. Et on est toujours là en train de douter d'Akadosh Baruch Hu. Est-ce qu'il peut faire des miracles avec nous? Alors, on ne le dit pas, mais on le pense. La preuve, on prie mal. Parce que si on avait conscience de la force d'Akadosh Baruch Hu, nos prières, elles seront complètement différentes. On prierait avec conviction. On raterait aucune tfila, puisque c'est comme quoi chaque tfila, elle peut marcher. Si aujourd'hui, on arrive à douter de la capacité d'Akadosh Baruch Hu de nous envoyer notre mazal, si aujourd'hui, on arrive à douter de la capacité d'Akadosh Baruch Hu de nous envoyer la parnassa, ou de donner des enfants, ou d'envoyer le mazal, alors que les médecins, ils ont dit comme quoi tu ne peux pas avoir d'enfants, alors que la parnassa, c'est fini. Si aujourd'hui, on doute d'Akadosh Baruch Hu, bah, c'est la même raison pourquoi les Meraglim, ils ont douté. On est constamment en train de mettre à l'épreuve Hachem sans même s'en rendre compte. On est constamment en train de douter d'Hachem en se disant ce qu'il est capable de faire ou est-ce qu'il n'est pas capable de faire. Avec la semaine dernière, je vous dis la vérité, je faisais ma tefila, c'était mercredi ou jeudi, c'était mincha, j'avais besoin de quelque chose. Et dans ma tefila, je dis à Kadosh Baruch Hu, si t'es fort, tu m'envoies cette chose sans que je me casse la tête. Mais il faut vraiment que tu sois bon là. J'ai fini ma tefila, je rentre dans mon bureau. Mon père, il m'a envoyé un cours qu'il avait écrit, qui voulait que je lis. Jamais il m'envoie de cours. C'était quoi le titre du cours? Ne pas mettre Akadosh Baruch Hu à l'épreuve. J'ai levé les yeux, j'ai cherché d'abord s'il n'y avait pas des caméras dans le bureau. Mais c'est dans ma tête. Mais malheureusement, on a cette tendance à mettre constamment Akadosh Baruch Hu à l'épreuve. Sans s'en rendre compte, on met en doute sa capacité d'opérer des miracles avec nous. Ben, de la même façon que nous, aujourd'hui, on doute de la capacité d'Akadosh Baruch Hu d'opérer des miracles dans notre vie, les miracles, ils ont douté de la capacité d'Akadosh Baruch Hu de les faire entrer en Israël. Ça, c'est la réponse de mon père. Elle est belle, mais j'ai lu une réponse plus belle. Alors, cette semaine, si Dieu veut, Bezrat Hashem, ça va être la Hiloula du Rabbi de Lubavitch. Ça va être jeudi. Je vous conseille d'allumer des bougies ce jour-là. Je vous conseille de lire des Tehilim. Le Rabbi, il est très fort. Le Sroud du Rabbi est toujours présent sur Terre. Donc, c'est important de lire soit des histoires du Rabbi, de s'attacher au Tzadik. Quand on s'attache au Tzadik le jour de sa Hiloula, le tzaddik qui nous passe sa force pour toute l'année à venir. Donc, donne-lui 24 heures et lui, tu donnes après 364 jours. Donc, le Rabbi Lubavitch, il a, dans un de ses discours, il a posé la question que je vous pose aujourd'hui. Le Rabbi, dans un de ses cours, il a dit comment les Meraglim, qui étaient des très grands tzaddikim, qu'ils ont été choisis, ils ont été triés sur le volet, la crème de la crème, la cerise sur la cerise, comment t'expliques que les Meraglim, des grands tzaddikim, ils ont pu douter de la capacité d'Akadosh Baruch Hu de les faire entrer en Israël? C'est pas possible. Imagine-toi demain, t'as Moshe Rabbeinu, il envoie Rabbi Chaim Pinto, parce que c'est mon grand-père, autrement je... Rabbi Shimon Ben Yochai, Rabbi Meir Baranes, Rabbi Akiva Versera, Rabbi Chaim Teblomet, Rabbi Akiva,
Ben Ishraï, Khatam Sofer. Imagine-toi qu'il envoie comme ça 12 tzadikim espionner Israël. Est-ce que ça devient à l'esprit, ne serait-ce qu'une seconde, qui viennent après 40 jours et qui critiquent la terre que Akadosh Baruch Hu leur a promis que c'était la meilleure des terres? Ok, ils ont bu un verre de trop. Mais est-ce que ça devient à l'esprit, ne serait-ce qu'une seconde, que ces 10 tzadikim-là, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Baalandes, Rabbi Akiva, qui viennent douter sur la capacité d'Akadosh Baruch Hu de pouvoir les faire entrer en Israël? C'est pas possible. Il faut comprendre que la génération qui était dans le désert, ils étaient 100 000 fois plus forts que tous ces tzadikim que je vous ai énumérés. Parce qu'ils ont vu ils ont vu Matan Torah. Donc comment, le rabbi pose cette question. Le rabbi demande, comment t'expliques que 12 tzadikim qui n'ont jamais fauté de leur vie peuvent douter de la capacité d'Akadosh Baruch Hu de les faire entrer en Israël? Et le rabbi donne une réponse phénoménale qui nous touche à nous tous. Et le rabbi dit comme ça, Chas v'shalom, de penser ne serait-ce qu'une seconde que les meraglim doutaient de la force de Dieu. Ils ne doutaient pas. Les meraglim, ils ne doutaient ni de la force de Dieu, ni de la capacité de Dieu. Les meraglim, ils savaient pertinemment que Hachem, il est illimité. Illimité. Mais là, il faut le répéter 1000 fois. Non. Il est illimité. Vous savez, bon, maintenant, ça n'existe plus, ça, mais à l'époque, il y avait des abonnements où tu pouvais envoyer 10 messages, 10 appels et recevoir à l'infini quand tu étais au top. Et après, ils ont augmenté leur abonnement. Jusqu'à aujourd'hui, ça arrivait, je ne vais pas donner de nom, 2 balles, 2 euros, illimité messages, illimité Internet. Quand c'est illimité, il n'y a plus de calcul. Tu fais des calculs quand c'est limité. Quand la chose elle devient illimitée, il n'y a plus de calcul à faire. Akadosh Baruch Hu, c'est l'abonnement illimité. Il est illimité dans tout. Il est illimité dans le nombre d'enfants qu'il peut envoyer. Il est illimité dans le mazal qu'il peut envoyer. Il est illimité dans la parnassa qu'il peut envoyer. Il est illimité dans la santé qu'il peut envoyer. Hachem, il est illimité. Malheureusement, nous, on le limite. Parce qu'on n'utilise pas notre forfait. Mais de base, c'est illimité. Téléphone des heures. Mettez-vous dans la tête. Hachem, il est illimité. Les miraglim, ils savaient comme quoi Akadosh Baruch Hu, il était illimité. Que Akadosh Baruch Hu, il peut tout faire. Les miraglim, ils savaient que Hachem, Memale Kol Almin, Akadosh Baruch Hu, il remplit le monde de sa présence. Vesovev Kol Almin, écrit dans le Zohar, que non seulement qu'Hachem, il remplit le monde de sa présence, mais Hachem, il entoure le monde de sa présence. Les miraglim, ils savaient, Let Atar de Panouy Mine, en français. Il n'y a pas un endroit sur terre où Akadosh Baruch Hu ne se trouve pas. Il n'y a pas une situation que tu vas vivre, bonne ou mauvaise, où Akadosh Baruch Hu ne se trouve pas à l'intérieur. Il n'y a pas un événement de ta vie où Akadosh Baruch Hu il ne se trouve pas. Même dans l'endroit le plus reculé du monde, le fin fond du monde, Akadosh Baruch Hu il s'y trouve. Même dans la situation la plus compliqué que tu vas devoir affronter dans ta vie, Akadosh Baruch Hu, il s'y trouve. Quand toi, tu vois une série de hasards, quand toi, tu vois pas la présence divine, Akadosh Baruch Hu, il se trouve dans cet endroit, dans cet événement, dans cette situation. Pourquoi? Parce qu'il l'a créé. C'est lui qui a créé cet endroit, donc il s'y trouve. C'est lui qui a créé cette situation, cet événement. Pourquoi Akadosh Baruch Hu crée des situations, des événements que, à nos têtes, il nous mène à rien? Moshe Pinto, il n'a aucune réponse à ça. Pourquoi Akadosh Baruch Hu fait en sorte qu'on sort pendant 3 ans avec un garçon pour qu'à la fin on casse? Aucune idée. Pourquoi Akadosh Baruch Hu fait en sorte qu'on une fille galère pendant 5 ans pour avoir des enfants, pour à la fin en avoir un, s'il pouvait envoyer plus le départ? Moshe Pinto, il n'a aucune réponse. Par contre, ce que Moshe Pinto il sait, c'est que Akadosh Baruch Hu, il se trouve dans tout. Les jours de ta vie, dans toutes les heures de ta vie, dans toutes les minutes de ta vie, l'être attardé panouiminé, ça veut dire qu'il n'y a aucune seconde de ta vie qui n'est pas remplie de la présence divine. Tu as compris ça? Je leur refais l'histoire. Il n'y a rien dans ta vie où il n'y a pas Akadosh Baruch Hu, où Akadosh Baruch Hu ne remplit pas l'instant en entier. Akadosh Baruch Hu, il se trouve de partout. Le rabbi l'explique et il dit comme quoi les explorateurs, à leur niveau qu'ils avaient atteint,
il ne doutait pas de la présence divine. Il ne doutait pas qu'Akadosh Baruch Hu était partout. Il savait comme quoi Akadosh Baruch Hu il remplit le monde. Akadosh Baruch Hu il entoure le monde. Il n'y a pas un endroit sur terre où Akadosh Baruch Hu il se trouve pas. Il n'y a pas une situation, il n'y a pas un événement où Akadosh Baruch Hu il se trouve pas. Il n'y a pas une seconde dans la journée où Akadosh Baruch Hu il remplit pas cette seconde. Tout ce que tu vis, tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, tout est surveillé, tout est programmé, tout est envoyé par Hachem. Akadosh Baruch Hu, il est partout et Akadosh Baruch Hu, il peut tout faire. Les Meraglim ne doutaient pas de la force ou de la capacité de Dieu. L'erreur des Meraglim, vous savez, c'était quoi? Le Rabbi dit, c'est qu'ils doutaient de leur propre force. Ils ne doutaient pas de Dieu, ils doutaient d'eux-mêmes. Ils ne doutaient pas de la capacité d'Akadosh Baruch Hu, ils doutaient de leur capacité. Les Meraglim, ils savaient que Akadosh Baruch Hu, s'il les a libérés d'Égypte, il peut les faire entrer en Israël. Ça, ils le savaient. Mais ce que les Meraglim, ils ne savaient pas, c'est est-ce que eux qui ont quitté l'Égypte, ils sont capables de rentrer en Israël. Alors, je vais expliquer les paroles du Rabbi, c'est très beau. Le Rabbi dit comme ça. Les Meraglim, ils sont partis en Israël, ils se sont consultés, concertés, et un, il a dit à l'autre. Il lui a dit, écoute, on va pas se mentir. Si on a atteint ce niveau de Kdusha, c'est pour une seule raison. Si on a atteint ce niveau de Kdusha, où Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à nous, que ce soit à travers les miracles en Égypte, à travers la mer qui s'est coupée, à travers la manne qui est descendue du ciel, à travers les nuées qui nous ont protégés, à travers même le fait que Akadosh Baruch Hu se soit dévoilé à nous, qui nous a donné la Torah, c'est pour une seule raison. On n'a pas mérité ça. Tu sais quoi la raison? Parce qu'on est loin du matériel. Parce qu'on se trouve dans le désert, au milieu de rien. Pas de matériel. Si on a atteint ce niveau de Kdusha, ce n'est pas par notre force. C'est parce que nous avons Moshe Rabbeinu, qui nous enseigne la Torah toute la journée. C'est parce que nous avons Aaron HaKohen, qui est là pour nous aider à nous faire pardonner nos fautes. Si on a atteint ce niveau de Kdusha, c'est parce que nous mangeons la manne qui descend du ciel. Si on a atteint ce niveau de Kdusha, c'est parce que nous sommes protégés par les nuées. Mais enlève-nous tout ça en nous faisant entrer en Israël. Enlève-nous Moshe Rabbeinu parce qu'il n'y a pas en Israël. Enlève-nous Aaron parce qu'il suit Moshe. Enlève-nous la manne. Enlève-nous les nuées. Et dis-nous dorénavant, Moshe Pinto, tu veux manger? Il n'y a plus de manne. Va travailler. Moshe Pinto, tu veux être protégé? Il n'y a plus de nuées. Va construire une maison. Va construire des forteresses. Va construire des abris. Enlève-nous du matériel, enlève-nous du spirituel et mets-nous au contact du matériel. Nous allons redevenir de simples personnes normaux. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait les Meraglim? Les Meraglim, ils ont vu en matériel une contradiction spirituelle. Les Meraglim, ils ont vu dans le matériel un affaiblissement, une chute en soi. Et quand ils ont dit, c'est très beau ce que je vous dis maintenant, ça a pris des années pour comprendre ça. Et quand les Meraglim, ils ont dit que Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas nous faire rentrer en Israël, c'est pas physiquement, parce que Akadosh Baruch Hu, physiquement, il fait sortir d'Égypte et il fait rentrer en Israël. Akadosh Baruch Hu, il peut le faire. Mais ils se sont dit, même Akadosh Baruch Hu, il ne pourra pas nous aider à garder notre niveau spirituel dans le matériel, alors que si on est dans le désert, on reste qu'avec le spirituel. On ne pourra pas garder notre niveau. Donc qu'est-ce qu'ils ont dit? On va critiquer Israël. Comme ça, on reste dans le désert, loin du matériel, avec Moshe Rabbeinu, avec Aaron, avec les nuées, avec la manne, et on va s'élever comme ça, à travers que le spirituel. Et c'est la raison pour laquelle les Meraglim, ils ont critiqué Israël. Ils ne doutaient pas de la capacité d'Akadosh Baruch Hu de les faire rentrer en Israël. Ils doutaient de leur propre capacité. Est-ce qu'ils vont être capables de garder le même niveau de sainteté dans le matériel, comme si qu'il n'y avait que le spirituel? C'était quoi leur erreur? Alors vous allez me dire, mais ils ont bien fait. Ils voulaient être loin du matériel. Mais c'était quoi leur erreur? Alors, il y a le Baal HaTanya, 41. Le Baal HaTanya dit comme ça. Tachlit briyato shel ha'olam. Nit ave akadosh baruch hu liot lo dira batachtonim. Le but de la création du monde, c'est quoi? Akadosh baruch hu, il a créé le monde parce que Hachem, il désire résider sur terre. Akadosh Baruch Hu désire résider sur terre. Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas que tu montes au ciel. Akadosh Baruch Hu, il veut descendre sur terre. Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas que tu viennes habiter chez lui.
Hachem, il veut lui venir habiter chez toi. Je vais vous la faire courte. Écoutez, si vous êtes venu que pour ces trois phrases-là, ça vaut de l'or. Ça a pris des heures. Des heures. Mais je l'ai bien sorti. Ça n'intéresse pas à Kadosh Baruch Hu qu'une personne y fasse qui pour 365 jours dans l'année. Il n'y a aucune mitzvah de faire Kippour 365 jours dans l'année. Et jeûner toute la journée, et passer son temps à la synagogue, et ne pas voir sa femme, ne pas pouvoir toucher sa femme, ne pas voir ses gosses, 24 heures de prière. Ça n'intéresse pas Hachem qu'une personne y fasse Kippour 365 jours dans l'année. Ce qui intéresse Hachem, c'est quoi? C'est tout le cours, c'est maintenant. Concentrez-vous. C'est que tu fasses Kippour une fois dans l'année. Que tu ressentes la gdoucha de Kippour. Que tu ressentes la proximité que tu as avec Hachem ce jour-là. Prends la Neila. La Neila, c'est le moment, on va dire, le high level, le moment où on est tous au, on est au top. Et le rabbin, il monte et il dit, Rabotai, il reste une heure avant la fin du jeûne. Une heure. Et il chauffe, c'est son métier. Et il chauffe. Une heure. Donnez tout ce que vous avez. Et le rabbin commence à dire, El Nora Lila, toute la synagogue qui se lève. Il n'y a plus de jeûne, il n'y a plus de faim, il n'y a plus de mal de tête. On est là en connexion directe. Et le rabbin continue de nous chauffer, nous dire, Rabotai, il reste 20 minutes avant la fin. Les portes du ciel, elles sont ouvertes. Vous êtes seul en face d'Akadosh Baruch Hu. Et il commence à dire, Leola Madonai Deva Achanitsa Vashamaim. À jamais, Akadosh Baruch Hu, ta parole, elle reste au ciel. Tout le monde répète à vote. Le hola madonai devar. Et après le rabbi dit, il reste 10 minutes. Karati becholé vaneni adonai chukecha etzora. Je vous ferai plaisir de Kippour dans pas longtemps. Et là, c'est des bons souvenirs, on a moyen. Et là, tout le monde qui chauffe. Et le rabbi dit, il reste 2 minutes. Shema Israël adonai Eloheinu adonai echad. Et là, tout le monde, ça hurle dans la synagogue. Il reste 30 secondes. Adonai Melech. Adonai Malach. Tout le monde avote. Tu vois cette proximité que tu as eue avec Hachem, ces quelques secondes de ta vie, ben, ce n'est pas ce qui intéresse Hachem. Voilà. Voilà, je vous casse le... Ce qui intéresse Akadosh Baruch Hu, c'est que tu prennes ces quelques secondes que tu as vécues de proximité avec Akadosh Baruch Hu intense et tu vas l'appliquer les 364 jours qui viennent après, que tu vas essayer de retrouver cette même gdoucha que tu as vécue à Kippour, pas la synagogue, avec le rabbin qui te motive, avec le talit sur la tête, avec la présence d'Hachem sur ta tête, que tu retrouves cette même gdoucha-là des 364 jours à venir, dans ton travail, dans ta maison, dans ton couple, dans tes enfants, dans tes vacances, dans tes galères, dans tes réussites, dans tes échecs. Prends cette gdoucha là, Kadosh Baruch Hu te fait goûter la gdoucha de Kippour un seul jour, pour te faire montrer de quoi tu es capable. Et Hachem, il te dit maintenant, tu prends cette gdoucha là, et tu la rentres de partout dans ta vie. Kadosh Baruch Hu, il ne veut pas que tu viennes habiter chez lui. Kippour, c'est le seul jour dans l'année où on vient habiter chez lui. Et 364 jours qui viennent après, Kadosh Baruch Hu, t'es venu une fois chez moi. Basta, t'as goûté, c'était quoi le kiff? Maintenant, tu descends, à moi de venir chez toi. Je veux ressentir la même gdoucha que tu as ressenti à Kippour dans ton travail. Je veux ressentir la même proximité que tu as eue avec moi dans ta maison. C'est facile de trouver Akadosh Baruch Hu le jour de Kippour. C'est facile de trouver Akadosh Baruch Hu au Beth Amikdash. Mais ce n'est pas ça le but. C'est quoi le but? Le but, c'est d'arriver à retrouver la même gdoucha de Kippour dans ton travail. Le but est d'arriver à retrouver la même gdoucha du Bet Amikdash dans ta maison. Le but est d'arriver à retrouver la même gdoucha que de la Neila dans ton couple. Une personne se doit de faire rentrer Akadosh Baruch Hu dans sa vie. Akadosh Baruch Hu, il voulait nit avec Akadosh Baruch Hu, l'autre le dit Akadosh Baruch Hu, il désire résider sur terre. Akadosh Baruch Hu, il désire résider dans toi. Il ne te demande pas de monter au ciel. Lui, il veut descendre. Il ne te demande pas d'aller dans sa vie. Lui, il veut rentrer dans la tienne. Écoutez bien. Ça n'intéresse pas Hachem que le docteur, par exemple, ou que le commercial, ou que le télépro, il devienne un jour rabbin.
ça intéresse pas aussi Hachem que le rabbin il devienne un jour commercial, télépromo, déjà si déjà tu choisis, ou PDG, déjà tu choisis bien. À Kadosh Baruch Hu, ça n'intéresse pas que le docteur il devienne rabbin ou que le rabbin il devienne docteur. Vous savez ce qui intéresse Hachem? C'est que le rav, il arrive à retrouver Hachem dans son étude et que le docteur, il arrive à retrouver Hachem dans son travail. Si je peux résumer le cours en une phrase, c'est celle-là. Akadosh Baruch Hu ne te demande pas de changer qui tu es. Akadosh Baruch Hu, il te demande de sanctifier ce que tu es. Akadosh Baruch Hu, il ne te demande pas de changer ta personnalité, de changer qui tu es. Akadosh Baruch Hu, il te demande de sanctifier ce que tu es. Reste comme tu es. Fais ton travail. Mais trouve-moi à l'intérieur. Et c'est pour cette raison que les Meraglim, ils ont critiqué la terre d'Israël. Parce que les Meraglim, on a posé une question au départ. Mais comment les Meraglim, qui étaient des grands tzadikim, ils ont pu douter de la capacité d'Akadosh Baruch Hu de les faire entrer en Israël? La réponse, d'après le Rabbi Lubavitch, elle est simple. Le Rabbi te dit comme quoi les Meraglim, aussi tzadikim qui étaient, ils se sont dit, mais c'est possible de trouver Hachem le jour de Kippour. C'est possible de trouver Hachem au Beth Amikdash. C'est possible de trouver Hachem à la synagogue. Mais c'est impossible de le trouver dans le travail. C'est impossible de ressentir dans le travail la même doucha que à Kippour. C'est impossible de ressentir dans ta maison la même doucha que le Beth Amikdash. C'est impossible de ressentir dans ton couple la même doucha qu'à la synagogue. Et c'était ça leur erreur. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé ce monde-là afin que lui vienne résider chez toi et que pas toi, tu viennes résider chez lui. Oui, c'est possible. Akadosh Baruch Hu, il peut et il se doit, c'est le but de la création, c'est ce qu'il attend de nous, venir résider dans notre vie. Alors vous allez me demander, ok, on a compris. On a compris pourquoi les Meraglim, ils ont critiqué la terre d'Israël. On a compris pourquoi les Meraglim, ils ont douté de la capacité d'Akadosh Baruch Hu. C'est parce que les Meraglim, ils voulaient être éloignés du matériel et être attachés qu'au spirituel. C'est parce que les Meraglim, ils ne pensaient pas qu'on pouvait retrouver un dimanche 23 juillet la même Gdoucha que le Kippour. Et c'était ça leur erreur. Alors vous allez me dire, alors comment on fait pour ressentir la même Gdoucha que Kippour un 23 juillet? Comment on fait pour trouver Akadosh Baruch Hu dans notre vie, dans tout ce qui nous entoure? Comment faire résider Akadosh Baruch Hu dans notre monde matériel alors qu'on sait pertinemment que Akadosh Baruch Hu, il est spirituel? Il y a quatre étapes, voire cinq. Je commence les quatre. Si on a le temps, on a le temps. Il y a cinq étapes. La première étape, comment faire, écoutez, maintenant ça commence. Comment faire résider Akadosh Baruch Hu dans notre vie? Rabbi Yaakov Aber Serra, il a écrit un livre qui s'appelle comment? Je vous aide. Pitouche Chotam. Il a écrit un livre sur la paracha, sur chaque paracha de la semaine. Et dans la paracha de cette semaine, Rabbi Yaakov Aber Serra, il écrit, et il dit la première étape pour faire résider Akadosh Baruch Hu dans le monde, ou plus particulièrement, écoutez bien, la première étape pour faire résider Akadosh Baruch Hu dans ton monde, parce que dans le monde, il y est déjà. Je vous ai dit comme quoi, Akadosh Baruch Hu met malé kol almin. Akadosh Baruch Hu, il remplit le monde. Mais ce qui Akadosh Baruch Hu l'intéresse, c'est pas de remplir le monde. Ce qui l'intéresse, c'est remplir ta vie. Bon, la première étape pour que Akadosh Baruch Hu, il remplit ta vie, c'est quoi? Rabbi Yaakov, il dit comme quoi? C'est en sanctifiant son corps. Une personne qui sanctifie son corps, il devient un lieu de résidence pour Akadosh Baruch Hu. Une personne qui sanctifie son corps, il devient un Beth Amikdash. Et Rabbi Yaakov, il explique. Et il dit, comment on fait pour que Akadosh, comment on fait pour sanctifier notre corps? Et il dit comme ça. Une personne qui fait attention à ce qu'il voit. Une personne qui fait attention à ce qu'il entend. Une personne qui fait attention à ce qu'il dit. Une personne qui fait attention à ce qu'il pense. Une personne qui rajoute de la Torah avec ses lèvres. Une personne qui, avec sa main droite, donne la tzedaka. Une personne qui, avec sa main gauche, met les tefillines. Une personne qui fait attention à sa brit mila. Une personne qui, avec ses jambes, il est capable de rester assis, ashriyu je veux pour écouter un cours. Il sanctifie les membres de son corps et Akadosh Baruch Hu, il réside en lui. Combien c'est important de sanctifier les membres de notre corps? On va commencer par les yeux.
On est en pleine période d'été. Alors le cours, il est moins pour vous sur ce point-là. J'ai fait le même cours hier au garçon. Il fait chaud. Il fait chaud. Et tu vois, Leiner a les gens dehors. Ils ont des radars. Ils ont des radars. Et la tête, tac, 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 tac. Leiner, ils en loupent pas un, ils en loupent pas une. Tout ce qu'ils peuvent voir, ils voient. Et ils font même plus attention que des fois, même avec leur femme, leur tête, elle tourne. Chazvé Shalom, t'es pas marié. Ils se rendent même plus compte des dégâts. Ils sont tellement habitués à voir des ch'touillottes, des bêtises, qu'ils se rendent même plus compte que des fois, ils sont avec leur femme et que leur tête, elle tourne. Et que Miskena, la femme, elle sait pas quoi dire. Elle sait pas si elle doit lui faire une réflexion ou pas. Alors elle est timide parce qu'elle est grosse. Elle n'ose pas parler. Elle sait pas quoi dire sur le coup. Elle lui fait une réflexion, elle fait pas une réflexion. Alors si elle est chachama, elle lui fait la réflexion. Parce que la prochaine fois, moi, devant elle, il évitera de faire la chose. Si elle est gentille ou bête, elle va se taire. Mais des fois avec ses enfants. Et les enfants, quand ils grandissent un petit peu, ils comprennent que papa, il regarde pas que maman. Tu comprends les dégâts que tu fais avec tes yeux. Mais quand vous dites faire attention, ne laissez pas Internet sans surveillance à la maison. Mon père, une longue vie. Depuis que je suis petit, ça a été le guerrier d'Internet. Il le prenait pour un fou, les gens d'époque. Mais un fou. Et aujourd'hui, dans tout ce qu'il a dit, il a raison à 100%. J'ai lu hier, la semaine dernière. Attends, je l'ai sorti hier au garçon parce qu'il ne me croyait pas. Capture d'écran. Un journal BFM. Il disait comme quoi les mineurs. Il y a 5 ans. Écoutez, un journal. Hein. Ok. 51% des garçons de 12 à 13 ans regardent des sites pornographiques chaque mois. C'est pas un rabbin qui a. C'est, voilà, c'est BFM. 51%, et ça c'est officieux, c'est ceux qui ont osé balancer leur truc. Je te raconte pas de ceux qui cachent, parce que tout le monde cache. 51% des garçons de 12 à 13 ans qui regardent des sites pornographiques chaque mois. 51% des gosses. Et ça va encore plus loin. 21% des garçons de 10 à 11 ans. Les gosses à 10 ans, ils regardent ce que le grand-père, il ne savait même pas que ça existait. Mais tu te rends compte, mais ça nous donne la hystère, c'est tout le monde comme ça. Tu te rends compte que de laisser Internet à la maison sans surveillance, c'est la pire des choses qu'il peut y avoir. Je ne vous parle pas à vous, je parle à moi. Je ne sais pas si vous avez encore des gosses. On leur fait confiance. Non, mais c'est un gentil, il ne sera pas capable. Ouais, mais personne ne pense de son fils qu'il est capable. Le problème, c'est quoi? C'est que si encore il regarde des choses normales, il est matov. C'est-à-dire que ses péchés, mais au moins il sent normal. Le problème, c'est qu'il va voir des choses pas normales et qu'à force de voir, pour lui, ça va devenir normal et qu'après, il va aucun mal à reproduire la même chose. Ah bien, comme Bersera, il te dit, tu veux que Akadosh Boko il réside sur Terre, première étape, ton corps. Le corps, c'est la chose la plus matérielle qu'il peut avoir. On vit pour notre corps. Ben, sanctifie ton corps. Comment tu sanctifies ton corps? Sanctifie ton corps avec ce que tu vois. Faites attention à ce que vous regardez. Ça a des impacts. Parce que si demain, tu arrives à mal prier, ou tu as des doutes dans ta tefila, ou à chaque fois qu'on te propose, c'est parce que tu fautes avec tes yeux. Deuxième étape, tes oreilles. Fais attention à ce que tu entends. Quand tu sais comme quoi on critique, on se moque, etc. Vite, coupe, bouge, pars. Fais attention à ta bouche. Fais attention à ce qui sort de ta bouche. Les gens, ils font attention à ce qui rentre dans leur bouche. Est-ce que c'est caché ou est-ce que c'est pas caché? Est-ce qu'il y a l'ashgacha ou est-ce qu'il n'y a pas l'ashgacha? Mais ce qui sort de ta bouche, est-ce que tu fais attention à ce que c'est caché ou c'est pas caché? Ce qui sort de ta bouche, est-ce que tu fais attention à ce qu'il y a une ashgacha ou s'il n'y a pas une ashgacha? Donc la première étape pour que Akadosh Boukhou réside sur terre, c'est à travers quoi on a dit? À travers le corps. Une personne qui sanctifie son corps, Akadosh Boukhou réside en lui. Première étape. Deuxième étape, tu veux que Akadosh Brouh réside sur terre, dans ce monde matériel, alors qu'il est spirituel, sanctifie ta maison. Alors vous allez me dire, comment on fait pour sanctifier sa maison?
Ça commence par les mezouzot. Il faut avoir des belles mezouzot. Je parle pas des boîtiers, on s'en fout des boîtiers. Vous savez combien de fois j'ai posé des mezouzot dans la maison et qu'ils en ont rien à faire de savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Ce qui leur intéresse, c'est le boîtier. Est-ce que c'est dans la déco ou pas? Tu comprends bien comme quoi, dans la mezouzot, il y a écrit le nom d'Hachem, Shin Dalet Yud. Si ta mezouza n'est pas kshéra, parce que tu l'as acheté n'importe où, ou parce que tu as radiné sur la mezouza. Et ça, je vous parle en tant que Moshe Pinto, ça fait 16 ans que je vois ça. Il n'y a pas une fois où j'ai donné une mezouza à quelqu'un, où il n'avait pas essayé de gratter sur le prix. Ça me rend fou, ça, à chaque fois. Tu viens d'acheter une nouvelle maison. Est-ce que tu as discuté avec l'entrepreneur sur le prix? Ce qui t'a dit t'as payé? T'as acheté un nouveau canapé pour poser tes fesses à l'intérieur. Mechila. À 5000 balles. Et ça, je suis gentil. C'est mis du cuir, ça. C'est pas du vrai cuir. Est-ce que t'as discuté avec le gars qui t'a vendu sur le prix? Le tapis qu'il y a sous le salon. Un tapis, parce qu'il faut maintenant, c'est la mode, il faut les tapis. Que tout le monde écrase, qui coûte 500 balles le tapis. Est-ce que tu as discuté avec le gars sur le prix du tapis? L'électroménager. Est-ce que tu as discuté avec le gars quand tu as proposé son Samsung à 3000 balles alors que c'est un frigidaire? Alors tu ne discutes pas ni pour le tapis, ni pour le frigidaire, ni pour le four, ni pour le canapé. Et dès que ça touche la mezouza, tu deviens économe. Combien de fois on m'a sorti? Il veut combien la mezouza? Je dis, écoute, comme les tefillines, c'est pareil. Je dis, écoute, t'as plusieurs. T'as la mezouza à 30 euros. Celle-là, c'est hein, le bras. Il a écrit avec son bras gauche ou avec sa bouche. Et plus ça monte dans le prix, plus bon, il sait ce qu'il vend. Combien de fois ils m'ont sorti? Mais quoi, c'est une mezouza Louis Vuitton? Non, c'est une mezouza normale. Mais tu veux de la qualité, faut payer. Pourquoi tu deviens économe que ça touche au spirituel? Combien de fois ils m'ont sorti? À chaque fois, les tefillines sont mal. Ils veulent les moins chers. Allez, j'ai vérifié dans ma vie peut-être 500 paires de tefillines. Pas moi, je ne suis pas sauveur. On me donne les tefillines. Dès qu'ils ont des galères dans la maison, en général, ils veulent vérifier les mezouzot et les tefillines. Dès que la mezouzot elle tombe, ils pensent comme quoi la mezouzot va s'écrouler. Dès qu'il y a une galère, ils ont des PV ou quoi, ou qu'il y a un truc, ils veulent vérifier les tefillines. Tu ne sais pas pourquoi. La mezouza, il faut la vérifier une fois tous les 3 ans minimum. Et les tefillines, une fois tous les 7 ans minimum. Il y en a qui n'ont pas vérifié leur tefilline. Ça fait 40 ans. J'ai trouvé des vers dans les tefillines. Je vous jure, j'ai trouvé des vers dans les tefillines. J'ai trouvé des parchemins complètement vides à l'intérieur. Le gars, il a mis 30 ans les tefillines, rien. Pas une fois. Moi je prends les tefillines. Je ne les vérifie pas, c'est pas mon métier. Je les donne à un sofer. Maintenant, le sofer, c'est son métier. Il faut que je le paye pour vérifier les tefillines. 40 euros. La mezouza, 15 euros. Ou je ne me rappelle plus combien. Pas une fois, un gars il m'a dit combien je te dois pour les tefillines que tu as vérifié ou la mezouza. Maintenant, moi, je ne parle pas d'argent avec les gens. Tu me demandes, Inématov, tu ne demandes pas, je paye moi. Je ne vais pas me rebaisser pour 50 euros. Pas une fois sur ce Sefer Torah, ma main dessus. Ils ont eu la classe de venir me voir après et de me dire combien ça a coûté. Dans sa tête, c'est gratuit. C'est un religieux, il fait les choses gratuites. Razak, moi je fais les cours gratuits, mais lui il fait payer. Et si toi tu payes pas, c'est moi qui paye. Pourquoi tu deviens économe dès que ça touche au spirituel? Tu veux qu'Akadosh Brou il radine avec toi? Je vais t'envoyer un mazal, mais attends, combien t'as payé TTF? 300 balles? Eh ben tiens, tu vas avoir un mazal à 300 balles. Akadosh Brou il radine pas quand il donne, que ce soit le nombre des enfants. Hachem il donne tout. Pourquoi dès que ça touche le spirituel, on devient tous radins? Vous voulez la bracha dans votre maison? Ça commence par la mezouza. C'est l'entrée de la maison. Mais si ta mezouza n'est pas kshéra, quelle bracha tu vas avoir après dans la maison? Tu veux voir la bracha dans la maison? Rabotai, sur ma vie, achetez-vous des livres de Torah à la maison. C'est pas possible ça. Vous n'avez pas de livres de Torah à la maison. Mais il faut avoir au minimum un Chumash, une Mishnah, Gemara,
Un Zohar. Mais c'est des livres de base qu'il faut avoir à la maison. Même si tu les ouvres jamais, peut-être qu'un jour. Qui sait? Sur un malentendu, tu pourras ouvrir un jour un livre. Mais si tu n'en as pas, vous n'avez pas de livre à la maison. Il n'y a pas de livre. Les seuls livres que vous avez, c'est les sidourim que vous avez tapés à la synagogue. Vous avez volé les livres à la synagogue. De bas, je te mets à rentrer ce soir à la maison. Ouvre le livre de Patachéléou que tu as. C'est écrit « Ne pas sortir de la synagogue. Ne pas sortir de la synagogue. » Je dis, bon, ça va, ils en ont 300, un plus ou un moins. Et souvent, c'est le père qui a volé le livre, qu'il a donné à son fils. Achetez-vous des livres. Tu t'imagines pas l'influence de Gdoucha que les livres, ils apportent à la maison. Avoir un Zohar à la maison, c'est avoir un Bishma Banuchai à la maison. Avoir un Zohar à la maison, c'est avoir un Bishimon. Avoir les Mishnayot à la maison, savoir Rabbi Meir Balanes à la maison, c'est lui qui a écrit les Mishnayot. Avoir des Gmarot à la maison, savoir Abaye, Rava, tous les Amoraïm. C'est pas possible, achetez-vous des livres. C'est un minimum. Combien de fois ça arrive, je vais dans des maisons, oh c'est mon moment de Shabbat Berkat. Je leur dis, un livre, on cherche. Et là, pendant 3 heures, ça cherche. Ils me sortent un patard qui a fait la guerre 39-45. Dès que tu ouvres le patard à l'intérieur, ne me sortez pas de la synagogue. Même lui, il ne sait pas ce qu'il fout chez toi. Personne ne l'ouvre. Des Tehillim. Vous n'avez pas de Tehillim à la maison. Mais avoir un Tehillim à la maison, c'est avoir David Amalek. Tu peux t'empêcher de ça, toi. Et après, tu cherches les Ségoulottes, et faire Perek Shira, et faire Tikkun Aklami, et on va aller à Rabbi Menouzi, à la Mouka, tourner 300 fois. Va t'acheter un roumage, après on discute ensemble, copain. Avoir des photos des tzadikim à la maison. Vous imaginez pas l'influence que ça apporte à la maison, des photos des tzadikim. Il n'y a aucune gdoucha dans une photo. Mais c'est une image que tu donnes à tes enfants. Des enfants qui grandissent dans un monde qui est tellement matériel que leur star, c'est Mbappé chez Yebari. C'est Benzema, qui coûte plusieurs millions. Je vois mes enfants, ils sont dans une école ultra orthodoxe. Ils connaissent tous les joueurs de foot alors qu'ils n'ont jamais vu un match de foot dans leur vie. Et Vinicius, ces trucs, je dis, c'est qui cela, moi? Je dirais, attends, papy, il arrive demain, tu vas voir Vinicius, qu'est-ce qu'il va te mettre? Vinicius, toute la journée. Moi, je suis Mbappé. Il joue au foot, moi, je suis Mbappé. Moi je suis Ronaldo, moi je suis Vinicius, moi je suis Benzema, moi je suis truc. Il n'y en a pas un qui veut Rabbi Chaim Pinto sur ma vie, ça veut dire. Oh, je suis quand même un petit-fils de Rabbi Chaim Pinto. Il n'y en a pas un qui veut. Il n'y en a pas un. Je sais pas. Rien. Mais comprends que quand tu as des photos des tzadikim, peut-être que tes enfants ils seront pas comme eux. Mais là, comment ils voient c'est quoi les vrais héros? Pas ceux qui sont dans une équipe pour de l'argent, mais qui sont ceux qui ont servi à Kadosh Baruch Hu toute leur vie pour rien. Il faut avoir des photos de tzadikim à la maison. Tu veux sanctifier ta maison, c'est les mezouzot. Il faut avoir des livres de Torah à la maison. Il faut avoir des photos de tzadikim à la maison. Et les chants de Shabbat. Je peux vous faire un cours dessus. Une maison où il n'y a pas de chants de Shabbat, comment tu veux qu'elle tienne? C'est écrit dans la Kabbalah. Que chaque Shabbat, quand le père y chante avec ses enfants, les malachim y descendent du ciel et viennent chanter avec eux. On ne parle pas de The Voice ou d'Oamir, là, hein, qui a gagné 2023 chez Yebari. On parle des malachim. Tu sais l'influence que ça laisse à la maison pour toute la semaine à venir? Et toi, le Shabbat, tu rentres complètement bourré de la Seouda? Et tu rentres encore rebois à la maison? Tu sais même pas quel paracha on est. T'as la télé qui est allumée parce que c'est la minuterie. T'es comme ça pendant tout le truc. Les malachimis sont là, ils attendent. Ça veut dire, on a notre temps. Ça veut dire, ça fait une semaine qu'on t'attend. Kef. Quand tu veux, on est là. Mais un jour, je vais vous inviter à la maison. Pas tous, mais chaque Shabbat. Parce que j'ai pas un thème particulier. Chaque Shabbat, depuis 12 ans maintenant,
J'offre un concert à tout l'immeuble. Mes enfants, ils connaissent toutes les chansons. Imbattable. Tu leur prends les chansons Sfarad, imbattable. Abercera, imbattable. Les chansons Ashkenaz, imbattable. Ils connaissent toutes les chansons. Je ne sais pas comment ils vont sortir plus grands. Mais au moins, j'aurais fait chanter les Malachim. Si ils peuvent faire quelque chose pour eux, ils n'aiment pas. Mais une maison où il n'y a pas un peu de Torah, où il n'y a pas de temps en temps un cours, vous savez, maintenant avec Internet, il y a des cours qu'on peut mettre sur YouTube, etc. Et sur des grands écrans. Des fois, on m'envoie des photos, je suis devant un grand écran et oh, j'écoute ton cours. Bon, Khazak, c'est mignon. Mais tu comprends comme quoi, si sur cet écran, il n'y a que les matchs de la Ligue des Champions qui passent, il n'y a que The Voice qui passe, il n'y a que The Mask qui passe, je sais pas quoi, il n'y a que Top Chef qui passe, et il n'y a que, je ne sais plus les nouveaux programmes qu'il y a, parce que je n'ai pas de télé. Mais tu comprends comme quoi, les enfants, il va sortir cuisinier. Tu vas en faire un cuisinier. Mets un peu des discours de Tzadikim qui passent à la maison, un coup des rabbins, hein, de temps en temps, que le... Des photos que l'enfant, il grandisse avec. Voilà, c'est comme eux qu'on doit devenir. C'est eux le Emet. Quand j'ai un problème, j'irai chez eux. C'est eux qui vont me donner conseil. C'est eux qui vont m'aider. Pour mon mazal, pour parler à ça plus tard, c'est que chez lui que je vais aller demander conseil. Quand tu n'attaches pas ton fils à un rave. Et ça, c'est les dégâts de notre génération. Quand tu n'attaches pas ton fils à un rave, t'es pas sans être religieux. Mais attache-le à un rave. Mais si tu fais la tournée des synagogues tous les Shabbats, à qui tu veux que ton fils s'attache? Si tout ton Shabbat, si le Shabbat à chaque fois que le Rav parle, tu t'endors, ou tu sors dehors, ou tu vas prendre l'apéritif, à qui tu veux qu'il s'attache? Quand il va avoir un problème, il va aller voir la mauvaise personne. Donc on a dit, comment faire résider à Kadosh beaucoup dans notre monde? Première étape, on sanctifie quoi? Son corps. Deuxième étape, on sanctifie sa maison. On a expliqué comment sanctifier la maison. Troisième étape, on sanctifie son couple. Alors vous allez me dire, comment on fait pour sanctifier son couple? Je vais être encore un petit peu dur. En respectant les halakhot de Nida. Les halakhot de Nida. Que Akadosh Baruch Hu, il a écrit dans sa Torah, que le Chachamim, ils ont rajouté des barrières. Que le seul moyen pour qu'Akadosh Baruch Hu réside dans ton couple, c'est en respectant Nida. Quand on te dit comme quoi, pendant la période de Nida, il faut qu'il y ait deux lits séparés, c'est deux lits séparés. Non mais ça va, moi je dors, mais je touche pas. Mais quel rapport? Les Chachamim t'ont dit c'est deux lits séparés. Pourquoi t'es plus intelligente que les Chachamim? T'es plus intelligente que Rabbi Meir Balanes? T'es plus intelligente que Rabbi Akiva ou que Rabbi Shimon ben Yochai? Ils ont dit deux lits séparés. Quand on te dit comme quoi pendant la période de Nida, on ne peut pas passer un objet à sa femme de main à main. Ce n'est pas un conseil. Ce n'est pas celui qui veut y faire ou de temps en temps. C'est des halakhot. Vous savez, il y a Eliyahu HaNavi. Il a écrit un livre. Sambala, c'est lui qui me sort le nom du titre d'Eliyahu HaNavi qu'il a écrit. À part Harry Potter. Comment il s'appelle lui d'Eliyahu HaNavi? Patach Eliyahu? Non. Ça, c'est Eliyahu Sharbit. C'est presque. C'est pas lui. Il s'appelle Tana de Beliaou. Ah oui, c'était facile. Il raconte une histoire qui fait un petit peu peur, mais je vous la raconte quand même. À l'époque de la Mishnah, il y avait une femme que son mari il est mort très jeune. Pas nous, hein. Je parle à l'époque de la Mishnah, un grand tzaddik, c'est pas nous, ça vous arrivera pas. Hein, je vous raconte une idée. Son mari il est mort très jeune, elle n'a pas avalé que son mari il est mort. Elle rentrait dans la yeshivot, devant 300 personnes, elle tapait. Je leur dis à Botaï, je vous arrête dans votre étude, je vous pose une question. Mon mari qui a étudié la Torah toute la journée, pourquoi il est mort? Ni volé, ni manger pas cachère, un tzaddik. Et aucun tzaddik ne savait lui répondre. Jusqu'au jour où Kadosh Baruch Hu l'a dit à Eliyahu HaNavi, Eliyahu descend, répond lui. Parce qu'elle fait des dégâts, elle met des questions dans la tête des juifs. Eliyahu HaNavi est descendu, il est venu habillé en homme. Elle rentre dans une synagogue, elle tape, elle dit à Botaï, pourquoi mon mari il est mort? Eliyahu, il se lève. Il dit, ma fille, je te pose une question. Tu respectes les Nida? Elle répond, Eliyahu HaNavi, bien sûr. Tu parles de mon mari. On faisait les 5 jours de Nida et les 7 jours. On respectait Nida. Eliyahu HaNavi lui dit, quand tu étais Nida, est-ce que tu dormais dans le même lit que ton mari ou vous avez deux lits séparés?
Elle regarde Eliaou. Elle lui dit, non, on avait un seul lit, mais il ne m'a jamais touché. Mais on avait un seul lit. Eliaou Hanavi lui dit, maintenant je comprends pourquoi ton mari est mort. Bon, rassurez-vous, vous n'êtes pas Eliaou Hanavi, vous n'êtes pas ce rav, on n'est pas à ce niveau-là. Mais comprenez qu'il y a des halakhot, et on ne joue pas avec les halakhot. Vous n'êtes pas à ce niveau-là. On parle des très grands tzadikim, hein, commencez par respecter le minimum, c'est déjà pas mal. On n'est pas à ce niveau-là, ne vous inquiétez pas, redescendez. Je ne vais plus jamais revenir ici, il me stresse. Bon. Mais à un moment donné, ils n'ont pas écrit la halakhot comme simple conseil, mets ta ceinture. Il y en a qui voient la halakhot comme mets ta ceinture. Tu veux la mettre, tu veux la mettre, tu veux pas la mettre, tu la mets pas, tu fais ce qui te vient à la tête. La halakhot, c'est la halakhot. Tu veux la bracha dans ton couple, bah commence par respecter la halakhot de Nida. Pour celui qui ne connaît pas, apprends-les. Pour celui qui les a oubliés, révise-les. Vous savez, j'étais fier hier soir de mon métier. C'est la première fois dans ma vie où j'étais fier hier soir d'être rabbin. Mais fier de moi. Fier. C'est rare, hein, la première fois hier. Ma femme, elle enseigne des cours de Nida au Calotte. Et une fille qui a appelé ma femme hier, qui s'est mariée à 3 ans, une convertie. Et qui a posé mes questions à ma femme de Nida, très pointues. Dans ma tête, je me suis dit, mais comment cette fille-là, elle fait pas Nida pour sa conversion, ça fait 3 ans qu'elle est convertie. Regarde toutes les questions qu'elle pose. Regarde comment elle respecte. Elle n'est pas forcément religieuse, elle ne se couvre pas la tête, elle ne s'habille pas de tsnout, mais elle s'est dit qu'on pointe Nida, c'est Nida. Et elle posait toutes les questions à ma femme. Je ne sais pas combien de femmes ma femme elle a dû faire cours, ça fait 10 ans, peut-être des centaines. Entre nous, combien ils nous ont appelé après le mariage pour poser des questions? Après qu'ils ont eu leurs papiers. J'ai pas voulu parler de ça avec ma femme parce que je l'avais pour 3 heures. Mais regarde, il y en a qui font encore attention à la rote. Tu veux la bracha dans ton couple, commence par respecter la rote de Nida. Tu ne peux pas avoir de bracha dans ton couple si tu ne respectes pas la halakhot que Kadosh Baruch Hu t'a donné. Et pour plusieurs raisons, vous êtes obligé de respecter Nida. Après, malheureusement, mais c'est malheureux ce que je vous dis, après, tout le monde se lasse de tout. Heureusement qu'il y a Nida qui est là pour raviver la flamme. Mais sans Nida, mais le couple ne peut pas tenir. Sans Nida, non seulement qu'il tourne la tête, mais il ne fait pas que tourner la tête. Bon, on a dit première étape, pourquoi Kadosh Baruch Hu risque dans ce monde, c'est quoi? Le corps. On sanctifie le corps. Deuxième étape, pourquoi Kadosh Baruch Hu risque dans ce monde, c'est quoi? La maison. Troisième étape, c'est quoi? Son couple. Quatrième étape, c'est quoi? Ses enfants. Ça, je peux vous faire encore un cours des heures dessus, mais je vais aller vite. Alors, vous allez me dire, mais comment on fait pour sanctifier ses enfants? Pas shoot. On sanctifie ses enfants en les complimentant. Ne soyez pas avare en compliments. Ne soyez pas, ne vous comportez pas avec vos enfants comme vous vous comportez dans le spirituel pour des tifines ou des mezuzot. Balance des compliments. Qu'est-ce qu'il va y avoir? De toute façon, c'est un ahmar. Un peu plus ou un peu moins, au moins ce sera un ahmar avec la confiance en lui. Puisque c'est la semaine de Daïloa du Rabbi Lubavitch. Hier, j'ai écouté une histoire du Rabbi. Une femme, une chassid Lubavitch, qui est partie voir le Rabbi qui lui a dit, Rav, j'en peux plus. J'ai un enfant, il s'appelle Shlomo. Il s'est fait renvoyer de toutes les écoles. Il ne veut pas étudier. Il ne veut pas prier. Il ne veut pas mettre cette fine. Rav, je te l'ai amené pour que tu lui rentres dedans. Défonce le Rav. Mais non, mais ce qui est l'enfant, il était là. Il avait 13 ou 14 ans à l'époque. Il s'attendait à ce que le Rav, il le défonce. Donc, il arrive, il regarde le Rabbi. Et le Rav, il le regarde. Il fait un grand sourire. Et le Rabbi lui dit, mon fils, est-ce que tu es bon à l'école? Comme il était sur la défense offensive, il dit, mais non, tout le monde ne serait pas venu avec ma mère. Bon, il dit, mon fils, est-ce que tu écoutes ton moré quand il parle? Et lui, non, j'écoute pas, ça m'intéresse pas. Là, il dit, ok, c'est pas grave. Il dit, est-ce que au moins tu écoutes ta mère? Mais non, j'écoute pas ma mère, ça m'intéresse pas. Le rabbi lui dit, est-ce que tu mets toujours les tefilines? Regarde, le rabbi dit, je mets plus les tefilines. Est-ce que tu fais Shabbat? Non, je fais plus Shabbat. Le rabbi lui dit, est-ce que tu manges au moins kasher? Il lui dit, dès que je peux manger pas kasher, je mange. Il attend à ce que le rabbi il le sorte. Le rabbi il le regarde. Il regarde sa mère. Il dit, ma fille, est-ce que tu es consciente que tu as un fils qui dit le émet? Qui dit la vérité?
Et le rabbi dit à sa mère, c'est la plus grande mala, la plus grande qualité qu'une personne y peut avoir, c'est de dire le Emet. Et ton fils, il a ça. Alors c'est vrai qu'il ne mange pas cachère, il ne fait pas chante, il fait... Mais au moins, le Emet, il l'a. Je te félicite, je suis fier de toi. Le petit, il est sorti du bureau, il raconte qu'il était complètement, aujourd'hui, il a 70 ans, complètement perturbé. Il a dit, un homme qui me fait confiance comme ça, comment je peux le décevoir? Il a recommencé à manger cachère, refaire Shabbat, retourner à la yeshiva. Aujourd'hui, c'est un rave. Tu veux sanctifier tes enfants, balance des compliments. Ne soyez pas trop dur avec eux. On est en période de fin d'année. C'est la période des bulletins. Passage de classe. Zdaat. Alors c'est vrai. Je suis algérien. Ma mère est algérienne. C'est vrai comme quoi l'école c'est important. Mais je suis aussi marocain. Qu'est-ce qui est plus important? Les notes à l'école ou sa santé mentale? Qu'est-ce qui est plus important? Mais retenez, écrivez ce cours 10 fois. Qu'est-ce qui est plus important? Ses notes ou sa santé mentale? On leur met beaucoup trop de pression, on ne s'en rend plus compte. Moi, je vois certaines écoles juives dégoûtées. Je ne donne pas de nom. Jamais. Jamais. Mais ils sont devenus ouf. C'est quoi ce délire? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent l'élite de l'élite. Et pourquoi? Pour apparaître dans un journal et dire comme quoi elle fait partie des 15 premières écoles qui ont eu le bac, mention, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Un enfant qu'on m'a porté dimanche, 14 ans, ils l'ont viré d'une école juive, alors qu'il avait 13,7 de moyenne générale. Parce qu'il ne regardait pas s'il n'avait pas 14,50. Pour quelques points, ils l'ont renvoyé. C'est qui le directeur? C'est un rabbin. Tu te rends compte les dégâts que tu as causés à l'enfant parce que l'enfant, maintenant, lui, c'est qui son ennemi? C'est pas le directeur. Son ennemi, c'est le barbu. Ouvrez-moi une école sur ma vie. Mais je vous ferai des merveilles, je vous ferai. Des merveilles. Je n'ai pas les moyens, mais des merveilles, je vous ferai. Mais c'est quoi ces ch'touillottes? J'ai passé 2 heures à parler avec le petit. Une loque. Et ses parents pourront rajouter... On t'a dit de bosser. Qu'est-ce que tu veux? 13,7. Oh! Mais vous êtes devenus tous fous. C'est quoi cette pression? Ça marche plus, la pression. Ça marchait à l'époque. On était au Maroc où la savate, elle parlait d'elle-même. Mais aujourd'hui, la savate, il esquive et te la rebalance dans la tête. Il n'y a plus de pression. Mais c'est quoi ces ch'touillottes de forcer son fils à venir à la tfila? Sur ce, c'est Sefer Torah. J'ai 3 garçons. Jamais je les force à venir à la synagogue. Jamais. Ni la Shabbat, ni la semaine. Je rate aucune prière béminiane. C'est mon truc. Je fais plein d'Averot toute la journée. Mais une tonne. Je suis le roi d'Averot. Une, j'aime bien, c'est les tfilotes à la synagogue. J'essaye de ne pas rater, ça fait 2 ans. Shacharit, Mincha Arvit. Maintenant, Mincha Arvit, des fois, en hiver, c'est tôt. En été, c'est tard. Je rate jamais Arvit. Jamais. Je rentre le soir à la maison, je suis avec les enfants, je fais ma douche, je me rhabille s'il faut, je retourne à la synagogue. Je ne rate pas. J'ai jamais demandé à mon fils de 12 ans de venir avec moi à la synagogue. Jamais. Pourtant, il sait que je pars. Il sait que je vais faire Mincha. Je sais qu'il ne fait pas Mincha. Je pourrais lui dire, viens avec moi à la synagogue faire Mincha. Tant que ça ne vient pas de lui, mon chien ne sort pas de sa bouche. Alors je lui dis, Chaim, fais Mincha à la maison, seul, une fois par semaine. De temps en temps. Ouais, je le fais. Et tu vois comment il prie. Et il bouge. Pourquoi? Parce que je n'ai pas forcé à venir à la synagogue. Tu veux que je l'écœure de la synagogue? Tu veux que je l'écœure du Kodesh? Il met des notes dans le Kodesh. Alors ça, Mekhila, j'espère que j'ai envie de parler là. Mais la pire erreur, c'est de mettre des notes dans le Kodesh. La pire erreur qui peut... Je vous ai dit, ouvrez-moi une école, je vous en supplie. Mais c'est quoi cette bêtise de mettre des notes dans le Kodesh? C'est quoi ces ch'touillottes? Je vois mes gosses des fois à 6 ans, ils reviennent à la maison avec un 0 en roumache. Mais tu comprends comme quoi le petit, si tu mets un 0 en roumache, il est curé du roumache. Et cure le mois des maths, je m'en fous. Il va pas devenir Thalès ou Pythagore. Et cure le mois de là, ce que tu veux.
mais ne le met pas à zéro. Et il veut qu'on signe. Il sait que c'est un nul, mais on signe que c'est un nul. Mais moi, Moshe Pinto, je signe à côté. Et j'écris zéro, bravo, je suis fier de toi. Je te fais montrer ça à ta mora demain. Et tu lui dis, papa, il attend son coup de téléphone. Laisse-le, il écoute pas, mais ne rends pas le Kodesh une matière profane. Il y a Chol et Kodesh. C'est quoi Chol? Profane. Kodesh, ça veut dire saint. Tu comprends que Chumash, Mishnah, Gemara, Halakha, c'est Chol, c'est Kodesh, c'est saint. Tout le reste, c'est profane. Ne mets pas des notes dans le Kodesh comme dans le profane. C'est bête. Vos enfants, ils sont en CM2, pas à Dauphine. Détendez-vous. Et là, il y a la, je parle sous... Comment t'appelles quand il y a quelqu'un qui est là pour valider ce que tu dis que c'est vrai? Sur certificat, sur... Non, comment t'appelles ça? Il y a un notaire qui vient vérifier à chaque fois. J'ai la babysitter de mes gosses qui est là. Je ne vais pas dire c'est qui. Mais elle le sait que je réfléchis comme ça. Je préfère avoir un fils cancre, mais heureux, qu'avoir un génie triste. Parce que je fais cours aux garçons, ça fait 16 ans. Des cancres heureux qui ont réussi, j'en vois tous les lundis. Je vous remplis de la salle de cancre. Aujourd'hui, c'est que des patrons. Mais j'ai rarement vu un génie triste réussir. Est-ce le kiffer? Ma femme, elle met mes gosses tous les soirs au lit à 20h. Voilà, elle peut vous témoigner. Tous les soirs, mes gosses, ils sont au lit à 20h. À 23h, les 5 ils sont réveillés. Je vais rentrer dans une heure. Ils sont tous réveillés. C'est la rada. On n'annule pas les minagim, on les annule pas. Ils sont réveillés. Dans la chambre. Ils sont dans la chambre, les pauvres. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Alors, au départ, ça rigole. Après, ça se bagarre. Après, ça pleure. Après, ça rigole. Après, ils ont faim. Donc, il faut qu'ils envoient un des trois. Toujours. Le Meragel, tu sais, c'est la paracha. On en voit un dans la cuisine, c'est toujours le plus anti-miskin, qui se fait toujours gauler, il se fait toujours attraper. Il est là avec les paquets de biscuits. C'est pas moi, c'est les autres qui m'ont envoyé. Mais c'est toujours la victime de sa vie. Ils font croire qu'ils vont aux toilettes, qu'ils passent par la cuisine, ils mettent les chocolats dans leur culotte. Tu vas voir, après ils mangent les chocolats. On a tout. Cette semaine, dimanche, je suis sorti avec eux dimanche. J'ai fait 4 heures de voiture. Je suis rentré. 20h30, j'ai dit, écoutez, papa, il est crevé, j'ai conduit toute la journée, pour vous, dormez. T'inquiète, on dort. Une fois, dormez, deux fois, dormez, trois fois, dormez. Je suis dans la chambre à côté. Dormez, au bout de la 700, peut-être 800 fois, ça veut dire, il était 10h, 11h moins quart, j'en pouvais plus. Alors, je commence les menaces. Je vais pas vous prendre en vacances, tu sais. On a tous les menaces les mêmes. Et je vais pas te prendre en vacances. Et t'as cuisin. Chaim, non, c'est pas moi, c'est Lévi, moi, toujours il m'accuse. Va le calmer l'autre pendant 3 heures. Mais j'étais dans la chambre avec la petite en train d'essayer de calmer la petite parce qu'elle entend ses frères qui grognent. Et je les entends. J'ai beau les remettre en place. Ça rigole. Et ça m'énerve parce que. Il n'y a pas de vacances! Je te laisse ici dans le 19e maintenant! Et plus je. Il était mort de rire maintenant dans ma tête. Et ma femme tient pour me chauffer. On n'a plus aucune. Et elle est très sérieuse dans son rhino. Maintenant, moi je prends trop la rigolade, elle est très sérieuse. On n'a plus aucune autorité sur les gosses. Il faut qu'on aille voir quelqu'un qui nous aide. Il faut écouter qu'on soit l'opinion. Directement, elle part dans des sphères qui vont pas loin. Maintenant, moi je suis là avec la petite, ça fait 2 heures. Donne-moi la main. Je dis lâche-moi, c'est-à-dire lâchez-moi tous. J'étais nerveux, je voulais en dégommer quelques-uns dans la maison. Mais je vous assure que quand tu entends leur rire, leur fou rire, c'est les plus beaux souvenirs que tu es en train de leur créer. Laisse-les se bagarrer, laisse-les rigoler. De toute façon, ils ne dormiront pas. Pourquoi tu passes pour le méchant? La vie, et je finis avec cette phrase, la vie est tellement dure quand on grandit. Ne leur enlève pas leur insouciance quand ils sont petits. Si vous avez compris ça, alors vous avez tout compris le rhino. Ça devient tellement dur. On n'est pas préparé à ce qui nous arrive. Personne n'est prêt à ce qui lui arrive. Et chacun sa vie, chacun son autre problème, et personne n'est prêt. La vie, elle est tellement dure que si tu ne laisses pas kiffer quand il est petit, quand c'est que tu vas le laisser kiffer? Donc pour que Akadosh Baruch Hu réside dans ce monde matériel, ça passe à travers le corps, à travers la maison, à travers le couple, à travers les enfants,
Mechila, j'étais long ce soir, à travers le travail. C'est-à-dire comment on peut ressentir la même doucha dans le travail qu'on ressent à Kippour. Et j'ai lu cette semaine dans le Rachaim Akadosh. Rachaim est une personne qui est honnête dans son travail. Une personne qui ne vole pas dans son travail. Il peut ressentir dans son travail la même doucha qu'il ressent à Kippour. Une personne qui est honnête et qui ne vole pas dans son travail, il peut ressentir dans son travail, il va encore plus loin, il parle des étincelles de Kdoucha. Il dit comme quoi une personne qui est honnête, il peut élever toutes les étincelles que Adam Harishon il a perdues. Soit Kadosh, pourquoi Kadosh beaucoup il réside sur terre. Allez, votre avatar, Mechila, si j'étais un peu long ce soir, je pense que c'était important. S'il y a encore des demoiselles qui n'ont pas reçu les textos ou les WhatsApp, vous pouvez donner votre numéro de téléphone à Ilana et celles qui veulent prendre les brachot, bechavod.